All rise. We will have air. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Je souhaite... Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes aujourd'hui dans le prétoire et ainsi que dans la galerie du public. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire, je vous prie. Good morning, Mr. President, Your Honours. The situation in the Republic of Mali in the case of the prosecutor versus Al-Hassan Ak-Abdul Aziz Ak-Mohamed Ak-Mahmoud. Case reference, ICC 0112-0118. And for the record, we are in open session. Je vous remercie. Au nom de mes collègues, Madame la juge Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou et Monsieur le juge Marc Perrin de Brichambeau, je souhaite la bienvenue à toutes les parties et participants, ainsi qu'à Monsieur Alassane. Je demande d'abord s'il y a des changements dans les équipes. Monsieur Duterte, s'il vous plaît. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Juge, bonjour Monsieur le Juge. Aujourd'hui, mon équipe est composée de Diane Luping, Hicham Mourad, Raymond Sandoval, Marie-Jeanne Sardashti, Sania Bokulic, Flori Hook, Yekanadan Munizami et Sarah Coquillo. Et votre serviteur, je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le Procureur. La Défense, Madame Taylor. Good morning, Mr. President, Your Honours. Good morning, everyone in the courtroom. Today, the defence for Mr. Alassane is represented by Madame Marie-Hélène Prou, Mr. Mounia Doucet, Mr. Mohamed Youssef, Ms. Dolly Challa, Ms. Lily Wang, and Ms. Manuel Delisle. Thank you very much. Merci beaucoup. Et les représentants des victimes, Maître Doumbia, apparemment, il n'y a pas de changement. Monsieur le Président, il n'y a pas de changement de ce côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'après notre emploi de temps, nous procédons aujourd'hui aux observations finales des parties et des représentants légaux des victimes. Je rappelle que selon l'ordonnance portant calendrier aux fins de l'audience de confirmation des charges, les parties et les représentants légaux des victimes disposent de 30 minutes chacun pour présenter leur déclaration finale. Je donne maintenant la parole au procureur pour qu'il puisse exposer sa déclaration finale. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, la parole est à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, Madame la Juge, le commissaire de la police islamique, Monsieur Alassane, a eu un rôle clé dans la mise en œuvre du plan commun. En faisant cette affirmation, l'accusation ne cherche pas à grossir le trait. Je l'ai déjà dit dès le premier jour de la confirmation des charges. Alassane n'est pas Abou Zaïd, il n'est pas davantage Iyad Agrali, mais ces derniers avaient besoin d'Alassane pour mettre en œuvre le plan commun. Le fait est que la défense s'emploie à minorer, je dirais grossièrement, le rôle d'Alassane. Non. Monsieur Alassane a été central au sein de la police islamique, qui était un des principaux organes à imposer le pouvoir et à appliquer la vision idéologique et religieuse dans Sardine et d'Akmi à Tombouctou et dans la persécution qui en a découlé. Je n'ai que 30 minutes. J'irai vite, même si j'ai 10 points principaux à couvrir, car la défense a tenu différents propos erronés et parfois misleading. Premier point. Alassane est membre d'Ansardin. Vous n'allez bien sûr pas trouver une carte de membre d'Ansardin à son nom, mais l'ensemble de la preuve montre qu'il est membre de ce groupe armé. Alassane le dit lui-même du reste. Je vais citer son interview, transcription 0051-0513, ligne
414 à 425. Lors de cette citation, quand je dis « interviewer », cela réfère à l'enquêteur du bureau du procureur qui pose les questions. Quand je dis « interprète », c'est l'interprète qui traduit la réponse d'Alassane. Je cite donc, ouvrez les guillemets. Interviewer, vous-même, vous avez rejoint la police, mais est-ce que vous étiez membre d'un groupe ? Interprète, avant la police ? Interviewer, non, pas avant la police, quand vous étiez avec eux à Tombouctou. Interprète, le fait que je me suis joint à la police, c'était avec Ansardine. Fermez les guillemets. Et à la transcription 0051-1067, Alassane décrit une réunion avec des chefs Touareg, ligne 217 à 218, pendant l'occupation de Tombouctou. Il dit, je cite, ouvrez les guillemets, c'était quelques jours, même point un mois après que je me suis joint ou je m'étais joint dans leur rang. Fermez les guillemets. Deuxième point, Monsieur le Président, Madame la juge, Monsieur le juge. Alassane n'est pas un civil. Il y a de multiples preuves de cela, mais je n'en prends que deux. Premier exemple, les vidéos 0018 et 0658, pardon, 0018-0658, et 0018-0649. Elles sont relatives à l'exécution d'un individu vers octobre 2012 à Tombouctou. Dans la transcription 0060-1298, ligne 573 à 581, Alassane reconnaît qu'il était sur place en tant que, je cite, « police ». Excusez-moi, monsieur Duterte, ralentissez, s'il vous plaît, le rythme de vos paroles. C'est toujours un équilibre entre le temps et le contenu, monsieur le président. Merci. Dans la transcription 0060-1327, ligne 9 à 51, Alassane commente la vidéo 0018-0658. Il est visible à l'image. Alassane confirme qu'il porte le gilet de la police islamique, un turban jaune et une chemise de couleur saroui. Sur la seconde vidéo, 0018-0649, à 00001015, on voit encore M. Alassane. Il porte les habits susmentionnés et surtout, il a une arme de guerre en bandoulière. Deuxième exemple. Alassane a continué des activités militaires avec Ansardine et Acmi postérieurement à l'occupation de Tombouctou. Il déclare dans son interview, transcription 0060-1791, ligne 562 à 573, je cite, ouvrez les guillemets, j'ai aidé des gens qui tuent les Nations Unies, qui tuent les Français, qui tuent l'armée malienne. Fermez les guillemets. À la transcription 0051-1067, ligne 368, Alassane déclare, je cite, ouvrez les guillemets, j'étais eux le responsable d'une base militaire. Fermez les guillemets. Troisième point, Monsieur le Président, Madame la juge, Monsieur le juge, Alassane est de facto le commissaire de la police islamique, pas un administrateur. Alassane recevait les plaintes, les plaignants, dans son bureau. Il menait des enquêtes, posait des questions aux personnes concernées, rédigeait les rapports d'enquête et il les signait seul. Il envoyait ses rapports au tribunal, des rapports d'enquête qui, de fait, formaient la principale source, la base même des jugements et des sanctions prononcées par le tribunal islamique. Vous l'avez vu aussi, Alassane fouette lui-même des gens en place publique, le 8 juillet 2012,
ou participe activement à des sanctions publiques, comme le 29 novembre 2012 avec ses hommes de la police ou avec d'autres organes. Sur ce dernier cas, du 29 novembre 2012, Alassane a rédigé un rapport de police. Le tribunal s'est basé sur 100 rapports pour condamner et Alassane a participé à la flagellation en flagellant lui-même au moins un homme. En outre, Alassane a sorti le condamné à mort en octobre 2012 de la voiture dans laquelle il était pour l'emmener à l'endroit où il allait être exécuté. Transcription 0060-1327, ligne 60-61. Ce ne sont pas là, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, Madame la Juge, les caractéristiques d'un administrateur, mais d'un commissaire de police dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été données. Je m'arrête là car, à vrai dire, Alassane est bien le commissaire zélé et membre d'Anne Sardine, mais en réalité, juridiquement, peu importe qu'il soit oui ou non formellement membre des groupes armés, qu'il ait prêté ou non allégeance, ne nous y trompons pas, ce qui importe, ce sont ses actes. Ce qui importe, c'est sa contribution essentielle au plan commun, quel que soit son titre ou sa qualité. Et contribution essentielle, il y a. J'en viens à mon quatrième point, Monsieur le Président, Madame la Juge, Monsieur le Juge, c'est-à-dire le degré de contribution de la police islamique à la répression de la population, qui est l'une de vos questions. Et ce degré de participation à la répression de la population est élevé. Premièrement, la police est un organe manifestement important. Les dates et les lieux le prouvent. C'est un des tout premiers organes mis en place en avril 2012. La police islamique occupe d'abord la BMS, un des quelques bâtiments avec étage dans Tombouctou, puis elle déménage au gouvernorat, qui est, par définition, le bâtiment gouvernemental le plus important. C'est révélateur. A contrario, Aboutala, chef des bataillons de sécurité, est resté à la BMS. Deuxièmement, on s'en souvient, les domaines d'activité de la police islamique sont très larges. Les propos d'Alassane lui-même l'illustrent dans la vidéo 0018-0379. Il déclare, je cite, ouvrez les guillemets, et c'est en anglais, « We do have a lot of work. It involves patrols within the town and correcting objectionable acts. Any type of reprehensible which has been forbidden. We correct such acts as drinking alcohol, smoking, and a woman adorning herself, and other such acts. It involves running the town affairs and ensuring the whole town's security day and night. » Fermez les guillemets. Et de fait, la police était omniprésente à Tombouctou et traitait de toutes les affaires en ville, délivrait des permis, assortis parfois de conditions pour différentes activités, émettre des convocations, recevoir des plaintes comme des cas, et traiter des litiges de tout genre comme des cas d'adultère, de pratique de la magie, de trafic de cigarettes ou encore de vente d'alcool. Troisièmement, la police qui était en charge de la prison, je me réfère à l'IRN 0051-1124, ligne 801, travaillait avec les autres organes, notamment la ESBA et le tribunal islamique. Et ces derniers ne pouvaient pas exécuter leur mission sans l'aide et le soutien apporté par la police islamique. Et notamment, c'est bien la police islamique qui pourvoit le tribunal en affaire à juger. Quatrièmement, et c'est révélateur, les instructions d'Abou Zaïd du 15 août 2012 s'adressent à tous. Mais quand on les lit, c'est la police qui est visée en premier. Je cite le début de ces instructions, ouvrez les guillemets, « Compulsory instructions to the police, ISBA corps and all soldiers. » Fermez les guillemets. Je renvoie à l'IRN 0001-61.
71-93. Cinquièmement, on le sait, la police avait par exemple plus d'hommes que la SBA. Je vous renvoie au DCC. Numériquement, elle avait donc plus de moyens d'agir contre la population. Dans le même ordre d'esprit, elle avait plus de moyens matériels. Rappelez-vous le pick-up patrouillant avec deux policiers en armes. Il patrouillait en voiture ou à moto. Et Alassane déclare en novembre 2012, je cite, ouvrez les guillemets, « Il n'y a pas de problème. Nous avons accès à des armes. Les gens sont tous armés. » IRN 0018-0379. Sixièmement, là également c'est révélateur, les policiers sont souvent visibles sur les vidéos disponibles de l'époque à Tombouctou, dans la rue, au tribunal, par exemple. Septièmement, ils sont présents dans toutes les actions de répression. On le sait, c'est la police islamique qui alimente le tribunal, je l'ai mentionné, donc en future victime de sanctions et d'humiliations publiques. Et la police est aussi de tous les châtiments ou actions de répression, lors de la flagellation du 20 juin 2012, sur l'amputation, sur les flagellations subséquentes, lors des destructions. C'est encore les policiers qu'on voit brûler les cigarettes. Huitièmement, et ma liste n'est pas exhaustive, mais j'en termine par là, la police avait aussi pour rôle de maintenir le contrôle et le pouvoir des groupes en dehors de Tombouctou. Dans l'interview de novembre 2012, Alassane parle ainsi des expéditions missionnaires organisées depuis Tombouctou dans les territoires du Nord-Mali, voir 0018-0379. Et de fait, les policiers partaient en mission parfois à des centaines de kilomètres jusqu'à Léré, près de la frontière mauritanienne. J'en ai fini avec mon quatrième point. Il me reste cinq points à traiter, Monsieur le Président, cinq ou six points, et permettez-moi de passer temporairement en anglais. Fifth point, the common plan and mens rea. I now turn to the arguments raised by defense about the common plan and the relevant test of mens rea. I refer to defense submissions at transcript 6, English, page 32 to page 33. The defense is confusing the nexus requirement concerning the armed conflict and commission of rape and sexual slavery with the scope of the common plan. Defense further mischaracterizes the prosecution's arguments concerning the definition of the common plan and test of intent and knowledge under Article 30. First, the nexus requirement for an armed conflict and the issue of the scope of a common plan are two entirely different legal questions and should not be conflated. Evidence that crimes had a nexus to the armed conflict does not necessarily depend on proof that they were committed according to a common plan. Second, by saying that the commission of crimes of rape and sexual slavery were foreseeable, this simply means that Mr. Alassane was aware that such crime would occur in the ordinary course of events, which is the relevant test using the plain language of Article 30, subparagraph 2b, as well as under Article 30, subparagraph 3. Contrary to the defense claims, at no point did we say that the chamber should adopt the standard of joint criminal enterprise number 3, which is awareness of substantial likelihood that the act will occur. Third, the defense analogy to a peacekeeping mission is totally unfounded. As in this case, we say that the suspect both knew and intended the charged crimes, as he was at least aware that they would occur in the ordinary course of events in the execution of a common plan. Fourth, I wish to clarify the prosecution's case
as to the scope of the common plan. The plan was, inter alia, to impose their own ideological and religious vision by any means. The church crimes, including rape and sexual slavery, were consequences that Alassane was at least aware would occur in the ordinary course of events as a result of implementing this common plan. In this way, we must prove that the crimes occurred within the framework of the common plan because the co-perpetrators were aware that the crimes would occur as a result of implementing that plan. But we do not have to prove, and our case is not, that the crimes were necessarily seen as part of the plan itself. I now turn to my sixth point. The contribution for Article 25, subparagraph 3a. I next respond to three issues raised by the defense concerning contributions to be proven under Article 25, subparagraph 3a. First issue, I refer to the defense attempts to distinguish the appeals chamber judgment in the Bemba Article 70 case. In the defense submissions at transcript T6, page 36 to page 37, the defense tried to argue that the Bemba Article 70 appeals judgment regarding the common plan theory does not apply in this case because Bemba was the architect of the common plan, whilst Alassane was not. But the defense misinterprets the decision and the law on contribution for Article 25, subparagraph 3a. At transcript T6, page 37, the defense also tries to limit the application of the appeals chamber test as to whether, but for the suspect's essential contributions, the crime would not have occurred, or alternatively, it would have occurred in a significantly different way. The defense argues that this alternative test, that the crime would have occurred in a significantly different way, only relates to Article 70 offenses and not Article 5 cases. The defense, Your Honors, is attempting to turn evidentiary considerations into propositions of law, which is incorrect. The legal principle stressed by the appeals chamber was that, for the purpose of Article 25(3)A, a person may make an essential contribution as a co-perpetrator within the framework of a common plan if their contribution was such that, without it, the crime could not have been committed or they would have been committed in a significantly different way. I refer to D1 of the reference list we dispatched this morning. This reasoning applies to Article 25(3)A in general. It is not specific to Article 70 rather than Article 5 crimes. There is only one Article 25 provision, and it must be interpreted the same way regardless of a crime. Whilst the appeals chamber agreed with the trial chambers, finding that Mr. Bemba made his contribution by means, including being the architect of a common plan, it was not making any legal finding that this is the only valid form of an essential contribution. ICC jurisprudence clearly indicates the contrary. Indeed, the appeals chamber in the same Bemba case confirmed that essential contributions to implementation of a common plan can be made in many different ways and need not even be criminal in and of themselves. I refer to D2 of a reference list. This demonstrates that a person may make an essential contribution for the purpose of Article 25(3)A without necessarily directly perpetrating one or more crimes themselves. Moreover, the ICC jurisprudence also makes it clear
that the essential contributions to a plan can be made at any stage, including at execution stage of a crime, the planning and perpetration stage, as well as the stage when the common plan was conceived. I refer to D3. Second issue regarding the common plan. The defense has argued that the charged crimes in this case would have happened in substantially the same manner, irrespective of whether Mr. Alassane was in Timbuktu or not. Transcript T6, page 37 to page 38. That is incorrect, Your Honours. The question is not what would have been the impact on the crimes if Mr. Alassane, as an individual, was present or not in Timbuktu. The question is whether the crimes would, for instance, have happened in a significantly the same way if Mr. Alassane did not make his essential contribution to the plan that he made in the role and functions he exercised within the Islamic police. And we say that if you removed his personal conduct as de facto commissaire of the Islamic police, the crimes indeed would have occurred in a significantly different manner. For instance, there would not have been the same coordination for the police or its work with the other organs, including the tribunal, to whom cases were referred by him, and the SBA, who received support from the police during patrols. In addition, tellingly, Alassane was maintained at his key position throughout the occupation. He was indispensable at the police, receiving complaints, investigating and drafting reports, using his power, influence, and language skills in dealing with the population. Third issue regarding the common plan. The prosecution refers to the defense arguments at T6, page 26, that if one of his essential contributions were as a key enforcer or implementer of the organization's rules, this means we must prove that Alassane had a role in implementing the charged crimes. At transcript T6, page 36 to page 37, the defense similarly argues that we must prove that Alassane executed or contributed to the realization of the charged crimes. This again, Your Honours, misstates both the prosecution's case and the law as regards essential contributions under Article 25, subparagraph 3A. There is no requirement to prove that Alassane, as a co-perpetrator, implemented the crimes, executed or contributed to their realizations. The appeals chamber has confirmed that it is not necessary to prove that a co-perpetrator made an intentional contribution to each of the specific crimes or offenses on the basis of a common plan. I refer to D4. The requirement is to prove an essential contribution to implementing the common plan, which means that the suspect is then liable for the crimes that occur within the framework of that common plan. I refer to D5. In fact, other than the mode of liability of direct perpetration of crime under 25 subparagraph 3A, none of the mode of liabilities as charged require proof that Alassane made any direct contribution to the crimes. Whilst Article 25, subparagraph 3D does require evidence that he otherwise contributed to the crimes, this can be indirect and not direct contributions. For example, by encouraging crimes tacitly or explicitly. Monsieur Duterte, les dernières cinq minutes commencent pour vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Seventh point. Principle of legality. Defense argues that illustrative references to the content of certain law
including the laws of occupation when interpreting Article 8(2)(c)(4), often Article 22. However, as the Appeals Chamber has demonstrated on multiple occasions, interpreting the law of a statute does not contravene the principle of legality. Moreover, even though the laws of occupation relate to the different context of an international armed conflict, it is appropriate to refer to these laws to understand the full meaning of Article 8(2)(c)(4), bearing in mind the references to Common Article 3 of the Geneva Convention. That's reference A12 in the reference list. We will address that in more details in our written submissions. Eighth point, Your Honours. Notice of scope of the charges. Contrary to the defense arguments, the prosecution has not tried to expand the scope of the charges, in particular the material facts and circumstances underlying the charges. Every example during the confirmation hearing amounts to either evidence or even legal arguments in support of the charges. But none of the examples provided by the defense are material facts or circumstances underlying the charges. Defense mentioned the phone numbers, it's just evidence. Defense mentioned the legal summation under Article 8(2)(c)(4). By definition, legal summations are not material facts. Neuvième point, Monsieur le Président, et je repasse en français. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, Madame la Juge, je reviens à la question des données téléphoniques, dont je conçois bien qu'elles sont fortement incriminatoires. Commençons par la question de l'attribution du numéro 223-7-926-2392. C'est le numéro affiché sur le panneau de la police islamique à la BMS. Le nombre 223, c'est l'indicatif du Mali. Le chiffre 7 apparaît être le chiffre de l'opérateur téléphonique. Vient ensuite le numéro proprement dit de téléphone, qui est 926-23-92. Donc ce numéro est sur le panneau de la police islamique à la BMS, vous l'avez vu. La défense affirme que l'accusation attribue ce numéro sans raison à M. Alassane. Soyons clairs, c'est simplement un misleading. Je reviens à la transcription d'interview de M. Alassane, MLI OTP-0060-1403, à partir de la ligne 260. Je cite, ouvrez les guillemets. Interviewer, vous vous souvenez que nous avons parlé des numéros de téléphone de la police ? Interprète. Oui. Interviewer, lesquels numéros, vous l'avez bien dit, étaient affichés ou étaient inscrits sous l'enseigne du nom de la police ? Interprète, c'est vrai. Interviewer, vous aviez donné les chiffres 926, n'est-ce pas ? Interprète, c'est vrai. Fermez les guillemets. Je passe à la ligne 282. Ouvrez les guillemets. Conclure, Monsieur Dutel, s'il vous plaît. Je conclus, peut-être en étirant la minute, Monsieur le Président. Le numéro là, celui-là, 926, c'est mon numéro. Je l'ai acheté au marché bien avant, avant l'entrée des islamistes à Tombouctou. Bien avant. Fin de citation. Pour tous les autres numéros de téléphone, en contact avec ce numéro 926, qui est le numéro personnel de M. Alassane, qu'il avait avant l'arrivée des groupes dans Tombouctou, et qui, comme il le dit lui-même, c'est son numéro qui est devenu le numéro de la police à la ligne 419 du même transcript, eh bien, c'est son numéro, et il l'utilise avec d'autres gens, d'autres personnes, et pour chacun de ces numéros utilisés, nous avons du sourcing qui a été communiqué comme preuve incriminatoire et qu'on référera dans nos soumissions écrites. Au total, Monsieur le Président, Madame la Juge, Monsieur le Juge, l'accusation vous soumet
que l'ensemble des faits, et vous devrez vous baser sur les faits, rien que les faits, mais tous les faits, ces faits montrent qu'il y a des raisons substantielles de croire que M. Alassane a commis les crimes qui lui sont reprochés. Et l'accusation vous demande donc de confirmer les charges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Et nous allons continuer maintenant avec la déclaration finale des représentants légaux des victimes. Maître Doumbia, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est Maître Mayombo qui va commencer. Merci. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Madame le juge, Monsieur le juge. Je suis Maître Kassongo, représentant légal des victimes de Tombouctou. Je voudrais intervenir d'une manière rapide, succincte, pour permettre à mon confrère Maître Doumbia de passer à une bonne conclusion. Toute mon intervention est publique. J'aimerais revenir sur trois points dans mes observations finales afin d'éclairer la Chambre pour les besoins de la confirmation des charges. Sur trois points. Ces trois petits points sont l'émanation d'une réplique aux observations émises par la défense. Dans une première phase, j'entends faire observer à la Chambre que les arguments qui sont soutenus en termes des faits justificatifs soulevés par la défense tenant à la personne de M. Al-Hassane et aussi à la charia, comme droit en vigueur au Mali, à un moment donné, ne peuvent pas être recevables. Et deuxièmement, j'aimerais bien mettre le point sur le débat, le glissement vers le débat religieux, qui ne peut pas être aussi admissible. Monsieur le Président, l'accusation n'avait pas fondé ses poursuites sur la charia et les origines de M. Alassane. C'est l'observation qui a été émise par la défense. Je résume l'intervention de Marie-Hélène Roux, notre confrère, qui a bien développé dans son argumentaire ses observations. Dans un premier temps, la défense soulève le point qui concerne le comportement et la personnalité de M. Alassane comme étant un bon père de famille. Ce sont les observations émises le 11 juillet 2019, je cite, ligne 10 à 25, je résume, page 13, ligne 1 à 4, version anglaise. Monsieur le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, sur la notion de bon père des familles, les victimes refusent de croire à la thèse soutenue par la défense qui décrit M. Alassane comme étant un bon père de famille. Car à partir d'un seul exemple parmi les 800 et quelques victimes présentes, il y a lieu de constater que M. Alassane n'est pas un bon père de famille. Lorsque cette victime, âgée à peine de 12 ans, poursuivie en pleine rue, pour n'avoir pas porté le voile, arrive au commissariat sous l'égide de M. Alassane et que cette vie violée collectivement d'une manière aussi atroce reste au commissariat alors que M. Alassane est présent, contrôle, surveille, on ne peut pas dire qu'il est un bon père de famille. Il le serait si et seulement si le père de cette fille qui a vécu les événements ne serait pas parti, ne serait pas décédé après.
Monsieur le Président, il y a un comportement d'un bon père de famille lorsque l'auteur de l'acte a su se montrer vigilant, a su se montrer préoccupé par les actes criminels qui se déroulent en sa présence. Tel n'est pas le cas de M. Al-Hassan. La jurisprudence internationale nous dit que celui qui sait faire la différence entre la puissance qui commet le crime en groupe et qui sait par lui-même en empêcher la réalisation peut être considéré comme un bon père de famille. Tel n'est pas le cas de M. Al-Hassan. La guerre de 2012 est la seule origine des crimes commis sur la totalité des victimes que nous représentons. Elle est la cause la plus importante des actes de torture commis sous les yeux de M. Al-Hassan. L'autre point qui nous a marqué, qui a réveillé l'attention de nos victimes, c'est la thèse qui consiste à dire que M. Al-Hassan est un Touareg. Monsieur le Président, les victimes ne croient pas un seul instant à la stigmatisation en tant que Touareg. Non, M. Al-Hassan n'a pas commis des crimes par justification d'une stigmatisation des Touaregs. Ces termes, nous aurons bien l'occasion de vous démontrer par écrit, dans nos différentes écritures, nos conclusions finales, que c'est un terme beaucoup plus détaillé à la doctrine et dans la littérature. C'est une appellation arabe, si nous pouvons juste résumer, dont les premières apparitions dans la littérature concernent des hommes voilés. Il y a des ouvrages, c'est une question bien détaillée et argumentée. J'en passe et je laisserai mon confrère revenir sur cette question. Mais quand même, ce terme Touareg viendrait du mot Tawarik, au masculin du mot Tariq, en usage du terme Targi. Dans la littérature coloniale, c'est une déformation littéraire qui a plusieurs sens. J'en passe parce que mon confrère reviendra sur ces questions et nous aurons l'occasion de vous les démontrer par écrit. Monsieur le juge, lorsque les victimes entendent de la part de la défense le recours, la référence faite à la charia comme étant le droit applicable, il y a matière à réagir. Je vais réagir sur l'angle d'opportunité de ce débat à ce stade de la procédure, sans pour autant aller au fond des principes sujets à discussion. Monsieur le Président, dans sa plaidoirie du 11 juillet, la défense fait remarquablement une bonne démonstration sur deux questions. Sur l'oubli de l'accusation de n'avoir pas pointé ce droit et sur la légalité de ce droit. Pour la masse des victimes que nous représentons, Monsieur le Président, cet argument ne doit pas être retenu. Il ne peut en aucun cas justifier les crimes reprochés dans les documents contenant les charges. L'article 15 du statut donne bien le pouvoir au procureur de faire le choix des chefs d'accusation et de les présenter. Les victimes, par notre voix, entendent rapporter de la Chambre leur refus d'adhérer à la thèse soutenue par la défense, fondée sur l'application de la charia au Mali avant l'occupation en 2012. Les victimes demandent respectueusement de la Chambre à déclarer cette thèse irrécevable en l'espèce. Monsieur le Président, Madame le juge, Monsieur le juge,
Il est principalement question dans cette affaire d'une confirmation des charges décrite dans les documents contenant les charges. Que les victimes entendent de pied ferme pour l'ouverture d'un procès. Alors, il serait dommageable, pour elles bien sûr, d'ouvrir un débat religieux qui n'en est pas un. Déplacer le débat des crimes commis sur la question ou les questions d'ordre religieux ira à l'encontre des intérêts de ces victimes. Car la ville de Tombouctou est en majorité peuplée des croyants musulmans qui pratiquent le culte et lisent le Coran. Un mot sur la charia et les droits pénals. Avec ce que nous apprenons de la part de la doctrine et de plusieurs auteurs, nous aurons l'occasion d'en parler dans nos écritures. On trouve à côté du Coran un corpus faisant figurer un embryon des règles de droit pénal, parmi lesquelles on trouve des limites, bien sûr, sur lesquelles se focalisent les débats contemporains, notamment en Occident sur la charia. Ce sont des principes, des coutumes qui jouent un rôle de normativité en complément du corpus des règles coraniques qui imposent des obligations, mais sans en détailler les contenus, ou énoncent des interdictions sans en préciser ou assortir des sanctions. Ce sont des règles supplétives. Il existe des écoles pour dire tout simplement en un mot qu'il ne s'agit pas d'un droit unifié. Monsieur le Président, il y a plusieurs écoles. Le Mali est un État laïque. Le Mali, bien sûr, avec cette inspiration islamique, n'applique pas le droit islamique en tant que tel. Pour les pays musulmans de l'Afrique de l'Est, on les classe dans une tendance d'une école juridique du chafisme qui applique l'islam tolérant. Le Mali reste bien sûr un État laïque. Monsieur le juge, Madame le juge, Monsieur le Président, Tombouctou est fondé au XIe siècle par les Touaregs qui confiaient leur bagage lourd à une femme qui lui donnera son nom, Timbuktu, un puits qui deviendra Tombouctou. Nous sommes loin des questions de religion évoquées par la défense, Monsieur le Président. Entre le XIe siècle et 1591, la ville est réputée pour la présence de ses intellectuels savants de la famille Akit et Ahmed Baba. On note pas les problèmes de stigmatisation des Touaregs, bien sûr. On parle le Coran et islamisation par le sultan du Maroc, si on peut citer, et la bataille des savants. Monsieur le Président, en conclusion sur cette question, pour laisser parler mon confrère, à partir de ces hypothèses, les victimes demandent respectueusement à la Chambre de rejeter toutes les observations en ce sens émises par la Défense, qui sont des observations d'ordre ethnique, et de confirmer l'ensemble des charges détaillées par l'accusation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Kassongo. Vous avez été très équitable envers Maître Doumbia. Donc maintenant, c'est Maître Doumbia qui a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable juge. Mon propos portera sur 5 petits points. Notre état d'âme face à cette procédure et le rôle que nous jouons ici. Notre appréciation de la preuve produite. Notre perception de la personnalité de Al-Hassan. Notre jugement sur l'argumentaire développé par la défense. Et enfin,
un petit mot de conclusion. Sur le premier point, Monsieur le Président, honorable juge, je voudrais réitérer encore notre satisfaction d'être là, surtout pour le temps de parole, parce que nous avions demandé un temps de parole qui nous a été accordé. Et nous en sommes fort réconfortés et reconnaissants à votre égard, parce que cela démontre toute la place que les représentants légaux jouent devant cette cour. Monsieur le Président, nous entendons jouer pleinement notre rôle en nous conformant, bien sûr, à toutes vos directives et notamment par rapport aux questions que vous avez posées, nous entendons vous répondre par écrit de façon un peu plus détaillée sur ce qui, jusqu'à l'heure, n'aurait pas été suffisamment couvert. Monsieur le Président, honorable juge, sur la preuve portée devant vous par l'accusation, les représentants légaux sont d'avis que cette preuve est suffisante. L'accusation, nous semble-t-il, a produit plus que ce qu'il n'en faut pour vous permettre de confirmer les charges. Les preuves nous paraissent claires. Les preuves rentrent en droite ligne de nos aspirations. Et les preuves sont objectives. Et les preuves sont conformes, n'est-ce pas, à tout ce que les victimes que nous représentons ont vécu comme brimades. Monsieur le Président, honorable juge, l'accusation doit être reçue en sa demande de confirmation des charges, tant sur la forme que sur le fond. Monsieur le Président, c'est bien le lieu de dire que même si le lièvre est ton ennemi, il faut bien reconnaître qu'il a les oreilles longues. Et c'est vrai. On ne peut pas le nier. Et du reste, nous pensons qu'il n'y a pas plus aveugle que la personne qui ne veut pas voir et qu'il n'y a pas plus sourd que la personne qui ne veut pas entendre. La défense ne veut pas entendre, la défense ne veut pas voir, mais l'objectivité s'impose devant cette cour. Monsieur le Président, honorable juge, les représentants légaux déclarent ici devant votre cour que la thèse du contraste développée par la défense ne tient pas la route. Cela est évoqué dans ses affirmations à la page 37 des transcrits du 11 juillet 2019, lignes 22 à 23, selon laquelle on ne peut pas déduire qu'il y a eu criminalité sur la base d'un comportement qui, lui-même, n'est pas criminel. Eh bien, cette conclusion est l'aboutissement d'une réflexion tronquée. Elle est l'aboutissement d'une fiction juridique, une vue de l'esprit qui ne résiste pas à la preuve. Cet argument ne peut pas altérer la preuve présentée devant vous. Monsieur le Président, s'agissant de la condition des Touaregs, la défense a essayé de noyer le poisson. La défense a essayé de vous mettre la poudre aux yeux en vous disant justement que les Touaregs vivaient dans des conditions difficiles et que ceci explique dans une large mesure les soulèvements. Monsieur le Président, honorable juge, ce que je vous dis, et c'est la vérité, c'est que le Mali, depuis l'indépendance à nos jours,
n'a jamais consacré à aucune autre région du Mali une part de budget supérieure ou même comparable à celle qui a été allouée au développement du Nord Mali où vivent ces Touaregs. Ça, c'est la vérité et ça, c'est justifié et démontré. Monsieur le Président, ceci m'amène à vous parler de la personnalité de Monsieur Al-Hassan. Monsieur le Président, honorable juge, les victimes que nous représentons devant vous ne vous diront jamais et jamais alors que Al-Hassan était cet homme qui était bon pour sa communauté, qui était aimé par sa communauté. Non. Monsieur le Président, elles vous diront que ce monsieur n'est pas un enfant de cœur. Et c'est vrai. Al-Hassan n'est pas un enfant de cœur. Monsieur le Président, Al-Hassan est loin de ce bon père de famille dont on a voulu vous vendre l'image ici. C'est absolument faux. Monsieur le Président, honorable juge, les victimes de Tombouctou qui ont souffert les agirs de Al-Hassan dans leur chair, par leur sang, par leur sueur et par leurs larmes, vous diront que Monsieur Al-Hassan, qu'elles ont observé dans ses multiples œuvres, était un homme cynique. Monsieur le Président, Al-Hassan n'était pas aimé dans sa communauté, comme on vous l'a dit à la page 16, ligne 22 à 28 des transcrits du 11 juillet, et à la page 16, ligne 9 à ligne 11 de ces mêmes transcrits. Les victimes vous parleront de quelques constantes. En effet, qu'est-ce qui est constant? Il est constant, et M. Al-Hassan lui-même l'a reconnu, que les menaces et la torture faisaient partie des méthodes utilisées lors des enquêtes qu'il menait. Et que par torture, il faut simplement entendre frapper la personne. Comme si frapper n'était pas quelque chose de significatif. Cela est visible au transcrit du 11 juillet 2019, page 19, ligne 9 à 12. Ce qui est également constant, Monsieur le Président, honorable juge, c'est que Al-Hassan n'a jamais nié qu'il était le commissaire de police islamique à Tombouctou pendant l'occupation. Ça, c'est une constante. Qu'est-ce qui est également constant? Ce qui est ensuite constant, c'est que Al-Hassan a reconnu, et les images parlent, qu'il a lui-même administré des coups. Nous le voyons. Qu'il a d'initiative pris des décisions et qu'il a participé à l'exécution de cette décision. Monsieur le Président, honorable juge, ce qui est également constant, et Al-Hassan le sait, c'est que il était un élément clé du dispositif de nuisance djihadiste à Tombouctou. Ça, c'est un fait évident. Monsieur le Président, honorable juge, je passe à l'argumentation de la défense. La défense a bâti son argumentaire sur du faux absolu. Cette argumentation n'est ni objective, ni juste, ni équitable.
Monsieur le Président, de ce côté de la barre, nous sommes choqués et indignés d'entendre que la preuve se résume à une poignée d'incidents. Monsieur le Président, les faits vécus par les victimes que nous représentons ne sont pas des incidents. Et cela nous indigne, et nous devons vous le dire. Et nous ne pouvons pas accepter que ces faits soient résumés en de simples incidents. Il s'agit de crimes. Il s'agit de crimes de violations graves des normes de droit international qui sont inscrites dans les statuts de Rome. Et c'est ce qui vaut la présence à nous tous ici. On ne peut pas simplement dire qu'il s'agit d'incidents. Monsieur le Président, on peut faire sa défense, mais rester dans les limites de l'humain. Et c'est ce que nous demandons. Monsieur le Président, honorable juge, les représentants légaux pensent que les vidéos, les cartes, les photos, les déclarations de témoins et toutes ces allégations ont un lien direct et un lien évident avec non seulement cette procédure, mais avec le comportement de Al-Hassan, de tout ce dont nous parlons ici. Monsieur le Président, ici, au-delà de ce que M. Al-Hassan lui-même reconnaît, qu'il a posé personnellement des actes incriminés, les personnes qui ont été victimes à Tombouctou attestent qu'il a joué le rôle déterminant. Que s'il n'était pas là-bas, autant de crimes ne se seraient pas commis à Tombouctou. Ils attestent, elles attestent, que non seulement ils ont vu Al-Hassan ordonner et participer à l'exécution des supplices ordonnés. Monsieur le Président, ça, ce sont des faits, et les faits sont têtus. Al-Hassan ne pouvait faire cela qu'en position d'autorité. Sans cela, il ne pourrait pas. Et ça prouve la place importante que Al-Hassan joue, qu'il a joué dans la commission de ces crimes. Nous concédons volontiers à la défense qu'il joue à l'avocat du diable. C'est son droit. Mais cela ne peut pas tromper votre cour. Non, nous sommes confiants. On ne peut pas vous divertir, Monsieur le Président, honorable juge. Ce qui est essentiel à retenir et dont les représentants légaux entendent se faire l'écho, c'est que le principe de légalité invoqué par la défense ne peut pas prospérer ici. Monsieur le Président, ce procès, n'est pas celui du droit islamique. Ce procès n'est pas le procès de la charia en tant que système juridique. Ce procès, c'est celui d'un homme qui a commis des crimes graves et qui doit en répondre. Alors, qu'on n'aille pas essayer de tromper, de saupoudrer les choses, parce que justement, la charia
nous savons ce que ça veut dire. C'est un ensemble de normes. C'est un ensemble de normes qui régissent les sociétés dans les républiques islamiques. Mon excellent confrère Mayombo vous l'a dit, le Mali n'est pas un pays islamique. Même si l'on peut comprendre qu'à Tombouctou, la vie est réglementée suivant des normes inspirées de la religion islamique. Cela ne fait pas dire, cela ne peut pas correspondre à la réalité que la charia était appliquée à Tombouctou. C'est faux. À Tombouctou, comme ailleurs au Mali, il y a un droit qui s'applique. Ce droit de tradition romano-germanique, vestige du passé colonial du Mali, qui est la loi, la seule, le seul système juridique applicable au Mali. Cela veut dire simplement que les habitudes, les usages, les coutumes qui étaient appliquées à Tombouctou et qui sont, bien sûr, d'inspiration islamique, n'étaient pas contraires à l'ordre public malien. Cela ne peut pas justifier qu'à Tombouctou, il y avait la charia. Vous avez encore 3 minutes, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous assure que je vais finir dans le temps. Juste pour vous dire cette précision linguistique. Au Mali, dans la plupart des langues, la loi se traduit par la charia. C'est une précision linguistique assez importante. Quand le Bambara veut dire la loi ou le système juridique, il va te dire c'est la loi, c'est la charia. Quand il veut dire que le comportement que vous adoptez n'est pas correct, il va vous dire ce que vous faites n'est pas la charia. Alors, lorsque quelqu'un dit, lorsqu'un témoin dit à Tombouctou, il y avait la charia, cette personne veut simplement vous dire qu'à Tombouctou, il existait déjà un système de droit. Cela ne peut pas être confondu avec ce que les djihadistes ont appliqué à Tombouctou, qui n'était pas d'ailleurs une application de la charia, faut-il le dire tout de suite. Les djihadistes n'ont agi qu'en vertu d'un penchant de terreur dans un contexte de géopolitique et de géostratégique dans la région Sahel de façon générale. Cette politique qui visait à déstabiliser le Mali et en faire ce qu'ils veulent. Monsieur le Président, honorable juge, c'est sur ces mots que je vous laisse. En vous disant que les victimes par ma voix garde l'espoir de vous voir confirmer l'ensemble des charges en rejetant naturellement toutes ces balivernes de la défense, et cela sera évidemment justice. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Nous allons continuer avec la déclaration finale de la défense. Veuillez noter, Madame Taylor, que vous devez prendre en compte dans la demi-heure qui vous est impartie le temps de parole de votre client s'il souhaite s'adresser directement à la Chambre. Grâce à la générosité des interprètes, nous pouvons continuer jusqu'à 11h15, cette partie de l'audition. La parole est à vous, Madame Taylor. Thank you very much, Mr. President, Your Honours. After reading the prosecution's voluminous charges,
After hearing from them over the course of several days, we are still left with the fundamental question. Why are we here today in court with Mr. Alassane in the dock? In July 2012, the Malian government listed the principal actors in the different movements in the north of Mali. There were 14 different names that they wanted the court to investigate. Mr. Alassane was not one of them. That's MLI OTP 0001-0026. And in 2018, after investigating the events in Mali for several years, the prosecution submitted their own application for an urgent arrest warrant for Mr. Alassane. And at paragraph 59, they listed the principal actors, the principal chiefs of the alleged oppression in Timbuktu. And they listed four names. Mr. Alassane was not one of them. And in 2009, after investigating the case further, the prosecution filed the voluminous charges. And at section 7.2.2.2, they listed all of the persons who played the key roles and performed the essential tasks in Timbuktu. At paragraph 224, they described the presidency responsible for controlling daily life in Timbuktu, the persons who assisted and controlled the key organs used to implement the common plan. They named three persons. Mr. Alassane was not one of them. The prosecution then listed the essential contributions to the common plan. So who was responsible for giving orders to the Islamic police? Who issued the written instructions to be followed by the Islamic police concerning their interactions with the public? Who had the power to intervene in judicial procedures? Was it Mr. Alassane, the person here today? No. According to paragraph 245 of the prosecution's own charges, it was Abu Zaid. And in this case, which concerns the implementation of religious beliefs and practices, who was responsible for determining which aspects and practices of Islamic law should be followed in Timbuktu? Was it Mr. Alassane, the person detained by the ICC for over 15 months? No. According to paragraph 247, it was Abdallah Al-Chingeti. And after hearing days of arguments concerning the fact that women in Timbuktu were forced to wear the veil and conform to certain practices, was it Mr. Alassane who decided on these moral rules, who enforced them? Not according to paragraph 248 of the charges. It was instead Al-Mahdi who organized and controlled the punishments of civilians in Timbuktu, including the imposition of the clothing code. And Islamic court judgments, these decisions, which the prosecution has alleged violated the Rome Statute, did Mr. Alassane write them? Did he issue them? Was he the one who issued or authorized the Houdin punishments or interrogation techniques? Not according to the prosecution's charges. Paragraph 254 attributes that essential role to Huga Huga, the president of the Islamic Tribunal, a person who is a judge, not an individual who had no legal, police, or religious training. And when we come to the work of the Islamic police itself, who were the emirs? Who were in control, who issued the orders
and were responsible for making essential contributions to the common plan. According to the prosecution, it was Adama and Khaled Abu Sulaiman, and that's at paragraph 250 of the prosecution's charges. Mr. President, Your Honours, Mr. Alassane is an accidental suspect, suspected of crimes that have no nexus to him or his daily conduct in Timbuktu. Common plan theory can only stretch so far. And in this case, this common plan for religious beliefs has been stretched beyond belief. The prosecution case lacks context. It lacks a viable common plan. It lacks criminal conducts. And it lacks credible evidence. And it should not, therefore, be confirmed. So context. We have heard the chamber underline many times that the burden of proof falls squarely on the prosecution. The prosecution, not the defense, the prosecution must prove all material elements of their case. But they can't do that by simply ignoring inconvenient truths, presenting snippets and snapshots of the most extreme forms of conduct committed by the most extreme elements of Ansar Deen. Their charges have to be framed within the daily life and reality in Timbuktu at that time, and Mr. Alassane's daily life and reality in Timbuktu at that time. But as my co-counsel, Ms. Prue, explained last Thursday, there are at least two key aspects that have been airbrushed out of the picture. And these are the situations of the Tuaregs in the north of Mali and the existence and role of Sharia law in Timbuktu. Last Thursday, Ms. Prue played the missing elements from the video, which the prosecution had used for their opening speech. And we heard that Timbuktu and its surrounding villages were the land that the government of Mali forgot, isolated from the state. And under this negligent and non-existent state stewardship, the Tuaregs in North Mali had the world's lowest quality of life. This context, this missing context is crucial. Tuaregs, such as Mr. Alassane, didn't work with Ansar Deen because they were religious zealots. They worked with the Ansar Deen administration because it was all there was that was working. The state had left the building. Before Ansar Deen, there was no security, no order, no law, no fundamental services, and no real choices. The prosecution has relied on Mr. Alhassan's statement as their sole evidence concerning the circumstances in which he commenced working with Ansar Deen. But let's look at what the statement says. He didn't agree to interpret for the police because he wanted to do jihad. He was convinced to interpret, and he agreed because he hoped that he would be able to work at the hospital and get more experience. That's MLI-OTP-0051-1257-1286. And this, Mr. President, Your Honours, this is Mr. Alassane, a pharmacist from Timbuktu, not a foreign jihadist or terrorist. He didn't agree to work with Ansar Deen so he could oppress his fellow citizens or persecute them. The prosecution's own evidence says that he did so because, firstly, Ansar Deen pursued him and asked him to, and secondly, he thought he'd be able to use his skills to make life better for that people at that point who had the lowest quality of life
on earth. So where is the mens rea? Where is the proof that Mr. Alassane agreed to be part of a common plan to commit crimes against the people of Timbuktu, his own people? The second element, which is missing in action, concerns the nature and content of Sharia law and its relevance to the common plan. Last Wednesday, the prosecution made the declaration at page 71 of the transcripts that, contrary to what the defense has argued in their submissions, the prosecution is not stating that the criminal element of the common plan was about implementing Sharia law. Nor is this a case about prosecuting Mr. Alassane for his religious beliefs. When we read the charges in this case, it's clear the prosecution might as well have claimed that this is not about a common plan to install Sharia law. It's about a plan, which was common, to install religious practices based on Sharia. Because no matter which way you frame it, the prosecution's common plan, as set out in their charges, requires the pretrial chamber to accept the implementation of Sharia law amounted to crimes against humanity and war crimes. And as a result, if the chamber accepts this formulation, it would mean that any state that practices Sharia law would expose the members of its administration to severe criminal penalties if they were to ratify the Rome Statute. And that's hardly a clarion call to universal ratification. And as my co-counsel, Ms. Prue, explained last week, in terms of context, Ansar Dine did not bring Sharia law to Timbuktu. Sharia law existed there before Ansar Dine and exists there today. And that was based on the prosecution's own evidence and their translations. So if it's the prosecution's case that certain aspects of Sharia law were new and inherently criminal, then the charges should specify very clearly which aspects were new and which aspects were inherently criminal, and who had control over those specific criminal aspects. But for a case which is so centered on Sharia law, the prosecution's allegations and arguments are surprisingly silent as concerns the structure of Sharia law. And why are they so silent? Because, Mr. President, Your Honours, Mr. Alassane, a person with no legal, religious, or police training, had no power and capacity to interpret Sharia law. He had no power to influence the type of Sharia law punishments implemented in Timbuktu. These punishments, these Hudud punishments, are prescribed by the Quran. Issues of interpretation are decided by the qadis in consultation with the Judicial Council. These matters fall well outside the authority, well outside the sphere of influence of someone like Mr. Alassane, who could be punished and physically disciplined by the emir if he failed to follow orders. And I refer here to paragraph 372 of the prosecution's charges. If responsibility were to lie anywhere, Mr. President, Your Honours, it would rest with the individuals who decided to apply these particular aspects of Sharia law in Timbuktu. And according to the prosecution's own charges, that's not Mr. Alassane. Moves me to my second point, the missing criminal conduct. The most important question before the pretrial chamber right now is not whether crimes were committed in Timbuktu,
but whether the prosecution has presented sufficient evidence to establish that Mr. Alassane, the person sitting in this courtroom today, is criminally responsible for these particular crimes. And on the basis of the evidence that was disclosed and discussed in court last week, we submit that the answer is a resounding no, and that as a result, Mr. Alassane should be released immediately. This conclusion can be readily established by addressing the prosecution's core claims concerning Mr. Alassane's individual responsibility. Because without individual responsibility, there can be no case. During last week's hearing, the prosecution expended a considerable amount of time arguing what they didn't have to prove, rather than what they'd actually proved. And at page 76 of transcript 5, they claimed that they didn't have to prove that Mr. Alassane was a member of Ansar Dine, or that he made intentional contributions to the crimes and incidents in this case. So apparently, you can be part of a common criminal plan without being a member of it. And you can be responsible for crimes to which you've made no criminal contribution. And after lowering the bar for legal responsibility to below sea level, it would also seem that they want to prove facts without evidence. And we can see this from the evidential poverty of their description of Mr. Alassane's role in these charged crimes. The prosecution's case is that Mr. Alassane was a man of action, a key interpreter and enforcer who helped the organization to implement its common plan and its common purpose. That's transcript 5, page 67. But if that were the case, and the common plan involved a sufficient element of criminality and not just Sharia law in general, then the prosecution should have been able to demonstrate that Mr. Alassane's actions contributed in either an essential or substantial manner to the realization of the material elements of the charged crimes. So let's look at what Mr. Alassane was supposed to have done as part of this common plan to enforce Sharia through criminal means. The prosecution has claimed that Mr. Alassane apparently interfaced with civilians and mediated disputes between civilians at the request of civilians from Timbuktu. This hardly constitutes Mr. Alassane enforcing religious beliefs through criminal means, and it certainly doesn't constitute a war crime or a crime against humanity. They have alleged that he received complaints submitted from civilians of Timbuktu, including complaints of serious crimes. Again, not something that demonstrates that Mr. Alassane was enforcing religious beliefs through criminal means. If anything, it suggests that firstly, the civilian population accepted and approved of the Islamic police and the role played in Timbuktu. The prosecution's own witnesses also indicated that Mr. Alassane only received complaints for the purposes of organizing them and then transmitting them to his superiors, Adama and Khalid. And I refer to the statement of P582, MLI-OTP-0070-0749 at page 0790. So he was someone who was good at file management. Hardly a sound basis for locking him up in Scheveningen. We then heard claims that Mr. Alassane signed reports. Again, hardly an essential or a criminal act. And under the system of Sharia law in Timbuktu, it was an act that had no bearing
on the decisions and findings of the Islamic Tribunal. Mr. Alassane also allegedly went on patrols and passed on instructions concerning who was going on patrols. Again, something that would be expected from the police. Police patrol. It's what they do in administrations throughout the world without being locked up and separated from their family. If we go beyond these actions, these regular administrative actions, the prosecution case then enters the twilight zone of what Mr. Alassane could have done or might have done in an alternative reality based on completely different evidence which is not in the case file. For example, page 68 of transcript 5. The prosecution claimed that Mr. Alassane committed acts of persecution on the basis of race and gender. And in support of this very general claim, they then claimed that he carried out punishments of civilians during patrols for breaching rules. The problem is that there's no evidence in the case of Mr. Alassane punishing civilians during patrols. The prosecution relies on Mr. Alassane's statement that he went on patrols, but again, his evidence doesn't say what the prosecution wants it to say. Instead, he told the prosecution that it was the emir who decided on issues concerning the petty taziers, and only after a procedure was followed. That's MLI-OTP-0051-1184 at page 1210. The other witnesses who provided testimony in such matters, P582, P150, and P580, were also unable to give any examples of Mr. Alassane being involved in enforcing or inflicting such punishments. And I refer to paragraph 200 of our brief. Mr. President, Your Honours, you can't get from patrols to punishments. You can't get from A to Z on the basis of wishful thinking alone, rather than evidence. Potential witnesses to convince them to testify for the prosecution. I refer to MLI-0062-2996 at pages 3007 and 3011 to 3014. This witness was even so keen to help prosecution's investigations, he felt so close to them that he even mentioned during one interview
that he wanted to work as part of an official part of the court one day. To which the prosecution responded, maybe one day. That's MLI-OTP-0067-1571 at pages 1609 to 1610. Still 5 minutes. Thank you very much, Mr. President. This person is not an objective and reliable witness, and his statements do not provide an objective and reliable foundation to confirm this case for trial. And that brings me to the next key witness. That's Mr. Alassane himself, a person they interviewed 19 times while he was tortured on an ongoing basis, held outside the framework of the law in incommunicado detention. Now, the prosecution has claimed that since they didn't torture Mr. Alassane, it doesn't matter. They've also tried to claim that he was in a position to give informed consent in these circumstances, that this was not a coercive environment. The admissibility of these statements will be an issue litigated before or at trial. But one would have thought that at the very least, the fact that these are written statements from a person who has not consented to testify orally at trial, one would think that it would warrant a degree of circumspection. But no. The prosecution has relied upon Mr. Alassane's statements in 507 footnotes in the charges. And for 224 of these, he is the only source relied upon. And today, the prosecution repeatedly quoted from the poisonous fruits of this torture and coercive environment, and relied upon highly irrelevant and prejudicial sections to do so. Mr. President, Your Honours, the evidence in this case, it's not fit for trial at the ICC. If we ignore all the smoke and mirrors, if we examine carefully, clearly, and objectively Mr. Alassane's actual conduct and what is established by credible evidence, not wishful thinking, and not the fantasies of particular witnesses, if we apply the lens of truth to Mr. Alassane's conduct, a person from Timbuktu, living and surviving in Timbuktu along with everyone else, and this conduct doesn't amount to war crimes or crimes against humanity, and it doesn't justify a trial before the International Criminal Court, a body set up to try the most serious crimes of concern to the international community as a whole. So, Mr. President, Your Honours, instead of trawling for small fry, we ask you to release this sardine, the smallest alleged member of Unsardine, back into the sea. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Taylor. La défense a presque épuisé son temps, mais je demande quand même à Monsieur Alassane s'il souhaite ajouter quelque chose ce qui a été dit par Madame Taylor. Monsieur Alassane, vous désirez prendre la parole pour une minute? La choukran, c'est le qadi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ceci nous amène au thème de cette audience de confirmation des charges. La Chambre souhaiterait maintenant remercier les parties et participants. La Chambre aimerait remercier en particulier les interprètes, les sténotypistes, les officiers chargés de la sécurité, ainsi que les représentants du greffe pour leur coopération.
La Chambre a déjà annoncé que les parties et les participants auront la possibilité de présenter des observations écrites finales après l'audience concernant les questions examinées au cours de celle-ci d'une longueur de 30 pages au maximum. Je rappelle que ces observations ne doivent pas contenir de rappel procédural ou d'annexe. En vertu de l'ordonnance modifiant l'ordonnance portant calendrier de l'audience de confirmation des charges, le procureur et les représentants légaux des victimes ont jusqu'au 24 juillet 2019 jusqu'à 16 heures pour déposer leur observation écrite finale. Le délai pour le dépôt des observations écrites finales de la défense est fixé au 31 juillet à 16 heures au plus tard. La décision relative à la confirmation des charges prononcées contre M. Alassane sera donc rendue au plus tard le 30 septembre, conformément à la norme 53 du règlement de la Cour. Merci à tout le monde. L'audience est levée. All rise.